Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente ce concert, parce qu'en fait c'est un hommage à Étienne Maiora, qui était notre guitariste de flamenco depuis aussi quasiment les débuts des ateliers d'ethnomusicologie, et qui nous a quittés il y a 3 mois environ, et qui accompagnait les cours de Anna, enfin qui accompagnait tous les groupes qui se sont produits à Genève depuis près de 30 ans. Donc cet hommage à Étienne Maiora, Anna va être votre guide et va vous expliquer ce que vous allez voir. Donc nous aurons à la danse Naomi Guerrero, Maud La Manuela, Michel La Burbuja, au chant Anna La China, et pour accompagner toutes ces belles dames, Daniel Renzi et le Rubio de Genève. Bonsoir à tous, nous sommes vraiment très heureux d'être accueillis ce soir ici par les ADEM pour vous présenter notre spectacle de flamenco qui, comme l'a dit Astrid, est un hommage à Étienne Maiora, Niño de los Alpes, qui nous a quittés il y a seulement 3 mois après une douloureuse maladie qu'il a traversée avec beaucoup de courage. Étienne a accompagné mes cours pendant presque 30 ans et oui, un vrai compagnon de route en fait. Sa guitare, son jeu limpide et inspiré nous ont fait danser toutes ces années. Merci Étienne. Je voudrais aussi dire quelques mots à Astrid. Je sais pas où elle est. Ah qui termine aussi sa carrière au sein des ateliers à la fin de ce mois. Nous avons aussi collaboré toutes ces années ensemble et déjà à titre personnel, je voudrais te remercier pour tous les projets que nous avons pu mener à bien, comme les nombreux stages, bien sûr notre spectacle de Benares à Jerez, ensuite Sonido Negro. Et puis aussi au nom de tous, je pense que nous voulons te dire merci pour les innombrables événements que tu as organisés, programmée et dont tu as été l'initiatrice. Tous ces moments d'émerveillement, de joie, de partage d'émotions, de partage de connaissances, enfin tant de liens se sont tissés à ces occasions, de relations ont pu se développer. C'est vraiment précieux, tu es créatrice de liens, c'est bien si indispensable à notre humanité. Merci Astrid. Je vais maintenant laisser la parole à Michel Gagnon La Burbuja, qui avant de danser sur la guitare d'Étienne, va aussi nous parler de lui. Adelante! Je vais interpréter 2 morceaux d'Étienne, un tango qui était dédié à une femme qui a beaucoup compté pour lui, Maricelle, et ensuite un autre morceau qui parle d'une ville dans laquelle il a vécu, à la calle Sol, en Sevilla. Voilà. Donc Sueños Peregrinos, c'est un CD avec ses propres compositions réalisées en 2009. Et Niño de los Alpes, Étienne Maiora, en plus d'être un magnifique guitariste, fut également, excusez-moi, un explorateur, disons, trail de la terre et des glaces. Un pèlerin des chemins, à pied ou en bicyclette. Un admirateur averti des paysages de nature qui nous livre. Allez, la bourbouha! À travers ces superbes photos de montagnes, de lacs, de grottes, sous glacières, de voyages. Sa grande âme, sa douceur, son calme imperturbable nous manquent déjà. Excusez-moi, je suis pas très douée. Alors, heureusement, il nous laisse une belle trace de son passage parmi nous grâce à ses mélodies profondes et sensibles. Bon voyage, Étienne.
pas prévu des lumières. Merci à toute cette équipe de flamenco. Je suis tellement heureuse parce que voilà, ma vie a commencé dans les musiques du monde grâce au flamenco. J'ai eu la chance en 1976 d'être tombée amoureuse du flamenco. Et voilà, ma carrière aux ateliers se termine avec mes amis, avec mes sœurs, avec mes filles. Et il n'y a que ça qui m'intéresse en fait dans le monde, c'est la transmission, de voir toutes ces générations, les plus anciens, les plus jeunes, qui partagent ces passions, qui vont les porter encore. C'est ça notre futur. Et je suis tellement fière de vous et de nous. Et merci, merci à tous.